Salut, aujourd'hui sur Youcook, on va faire un cheesecake. Alors, pour le cheesecake, il vous faudra un plat à fond amovible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est un plat avec la paroi qui va bouger. Ça va vous permettre de faire le cheesecake à l'intérieur, de le cuire et ensuite de le démouler très simplement. Premièrement, vous aurez besoin d'environ 150 g de beurre fondu. On va prendre des petits gâteaux secs, des petits beurres. Je vais les mettre dans mon robot. On va faire une jolie poudre. C'est parti. On va récupérer tout ça, le mettre dans un petit saladier et on va incorporer le beurre fondu. Et on vient mélanger le tout avec les mains. Dès que vous avez une pâte qui est quand même modelable mais aussi bien friable, on va transvaser ça dans le plat à fond amovible. Et on vient ensuite faire une couche bien homogène, bien compacte, et dès que c'est prêt, on va le mettre au frigo pendant une 15-20 de minutes histoire que ça refroidisse bien. Pendant ce temps, on va aller préparer toute la partie supérieure du cheesecake. On vient mettre 600 g de fromage blanc, 250 g de crème fraîche, environ 150 g de sucre, 3 œufs entiers, des zestes de citron non traités de préférence, et du jus de citron environ 1-1,5. Et on mélange tout. Dès que c'est bien mixé, on récupère donc notre petit plat qui a reposé, je le rappelle, une 15-20 de minutes, et on va transvaser le contenu directement sur notre fond en petit beurre. Ensuite, on vient enfourner dans un four donc préchauffé, et on va faire cuire environ 1 heure, 1 heure et demie à 150 degrés. Ça va être très important de contrôler la cuisson et de le retirer au moment où ça commence à brunir sur le haut. Ah, voilà, notre cheesecake est prêt. Il est encore chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser reposer un tout petit peu, juste le temps de préparer le topping. Alors moi, j'aime bien le faire avec de la confiture d'orange que je vais venir réchauffer et je vais mélanger dedans du gingembre râpé. Voilà, on mélange un petit peu et dès que vous avez une texture assez liquide, je vais simplement le verser par-dessus mon cheesecake. Et on vient bien entendu étaler bien partout pour avoir une couche assez égale. Pour terminer, on vient re-râper un tout petit peu de gingembre. Et dès que c'est fait, on va devoir laisser le cheesecake à température ambiante pendant environ 1 heure. Ensuite, vous allez le mettre au frigo pendant 5 heures. On va faire le démoulage. Il faut y aller doucement, histoire de ne pas casser les bords du cheesecake. Regardez-moi ça. On va directement couper une part, parce que j'ai très envie de sucrer là. Il est juste nickel. Je sens que je vais me régaler. N'hésitez pas à le faire avec d'autres fruits, avec d'autres saveurs. On en fera d'autres sur Youcook également. Moi, je vais aller manger ça devant la télé. Je vous fais des bisous. Salut! Abonne-toi à Youcook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant Youcook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description. Il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous, ciao! Youcook!